Yo, 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 je suis très content, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, c'est le Amevia News Express, les news en express ici. Donc, on va parler quand même de ce clash, voilà, qu'il y a entre Picalouse, Laura Bazouka, Ghettovi et donc notre cher Pioui. Donc la semaine passée, il y a eu des rumeurs, voilà, comme quoi il y aurait un clash entre les quatre, comme quoi les quatre se seraient mis en couple avec Laura. Donc du coup, Pioui se serait mis en couple avec Laura. Donc apparemment, l'entourage, bon, il y a eu certaines confirmations comme quoi Pioui était vraiment en couple avec Laura. Pour Picalouse, c'est pas, on n'est pas vraiment vraiment encore sûr. Et on sait que déjà il y a quelques semaines de cela, voilà, Ghettovi et Laura sont en train de partager quand même des clichés, d'eux en train de s'amouracher et tout. Donc on suppose qu'ils sont en couple. Donc ça fait que ce week-end, il y a eu un gros concert réunissant les quatre artistes, Picalouse, Pioui, Ghettovi, Laura, sur la même scène, sur le même concert. Tout allait bien jusqu'à ce que, au fait, Picalouse lance ce message. Suivez, you get it? You get it? If you don't get it, forget about it. You get it? Moi, le possible. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est lâché. La punch de Picalouse a été lancée. Donc, très rapidement, Ghettovi n'a pas tardé à répondre. On s'attend vraiment à des réponses virulentes. Voilà. C'est cette semaine. Donc, du coup, Ghettovi a répondu. Vous savez que Ghettovi, il aime se faire appeler à Chaobé Chéri. Tout ça. Donc, il a répondu. Donc, voici son message. Donc, dans les jours à venir, il y aura donc un gros buzz qui va alimenter le game togolais entre ces quatre-là. Donc, on attend donc la réplique de Picalouse, on attend la réponse de Laura surtout aussi, qui est la principale concernée aussi, et donc la réponse de Pioui. Même si moi, personnellement, je pense que Pioui ne se mettra pas vraiment dans ce clash, en avant dans ce clash. Je pense que ça va plus se passer entre Laura, Picalouse et puis Ghettovi. Peut-être que Pioui va se prononcer dans un son, mais entrer en clash comme ça, non, je ne pense pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. On en parle en commentaire. Donc voilà, c'était les news express sur Amevia. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'as envie donc d'être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Donc sur le game togolais. Donc abonne-toi. On se retrouve à la prochaine. Cheers.